Bonjour à vous tous. Pourquoi nous nous arrêtons sans cesse sur ce thème « Connais-toi toi-même » ? Qu'est-ce que l'humanité en réalité doit connaître ? Comment elle doit procéder pour y arriver le plus tôt possible ? Nous nous sommes dit déjà qu'il y a deux chemins pour arriver à cette connaissance merveilleuse, pour arriver au degré où nous aurons la conscience ouverte à tout et où nous aurons l'accès à tout ce que l'âme nous a préparé. Le premier chemin, c'est le chemin des souffrances et le deuxième chemin, c'est le chemin des joies. Mais comme l'humanité s'éveille très très lentement, ça lui prend énormément de temps et comme elle est très habituée à la paresse, alors, le monde invisible utilise tous les moyens pour la réveiller, tous les chocs possibles, et même à travers ces chocs, elle ne se réveille pas et elle ne veut pas comprendre. Nous nous sommes dit déjà que, par exemple, les guerres mondiales, ce sont des chocs inimaginables qui amènent toute l'humanité vers la souffrance, mais à travers la Première Guerre mondiale, on n'a rien compris. À travers la Deuxième Guerre mondiale, on n'a rien compris et nous nous préparons pour la Troisième car nous aimons tellement ce chemin de la souffrance. Et présentement, à l'humanité tout entière, des portes nouvelles sont ouvertes. Jamais auparavant, ces portes n'étaient pas ouvertes parce que premièrement, on n'était pas prêt. Deuxièmement, la conscience n'était pas éveillée, etc., etc. Il y avait d'autres causes. Et ces portes qui sont ouvertes aujourd'hui pour tout le monde, jadis, étaient ouvertes seulement pour certains choisis qui étaient appelés les disciples. Les disciples, c'était des êtres qui ont appris à se discipliner au lieu de se dissiper. C'est très simple, mais c'est énorme en même temps, car il s'agit d'une autodiscipline qui arrive à canaliser et à bien utiliser toutes les énergies que nous possédons, tandis que dans un cas ordinaire, pour un être ordinaire, alors il ne sait absolument rien quoi faire, comment faire, parce qu'il ne sait pas canaliser les énergies. Et à travers un apprentissage spécial, ceux qui étaient appelés les néophytes, les disciples, les élèves d'une école initiatique, ils se préparaient spécialement, ils passaient par une préparation bien déterminée pour arriver à la connaissance suprême et à des réalisations merveilleuses. De toutes les époques, pendant toutes les époques, depuis que la Terre existe, existaient les écoles qui étaient appelées les écoles initiatiques. Qu'est-ce que ça veut dire initiatique? Ça veut dire les écoles qui menaient l'homme à se connaître lui-même. Nous avons parlé de la méditation, ça veut dire aller au milieu, aller pour rencontrer l'âme. Et nous, aujourd'hui, nous ne parlons pas de méditation, mais nous parlons de initiation, où un T se prononce comme un C, mais en réalité, il s'agit d'un T. Et la racine du mot initiation, c'est I-T-I, et même en russe jusqu'à aujourd'hui, I-T-I, ça veut dire aller. Alors, initiation, c'est un chemin qui nous mène vers l'intérieur. C'est aller dedans. In, I-N, le préfixe qui veut dire dedans. Alors, c'est un chemin qui nous mène dedans pour utiliser quoi? Pour utiliser nos propres énergies qui sont en nous, qui sont distribuées par l'âme et qui sont diffusées par elle. Nous parlerons bientôt de chacune de ces centrales extraordinaires qui sont placées tout au long de la colonne vertébrale et qui se terminent par le chakra qui est appelé le chakra aux 1000 pétales, qui produit une lumière éblouissante, mais nous ne les connaissons pas encore. Nous ne savons pas quoi faire avec ces énergies, comment les utiliser, comment la circulation se fait, etc. Alors, la première chose
qu'un disciple qui était dirigé vers une école initiatique, la première chose qu'il devait apprendre, à travers les qualités, à travers les vertus qu'il devait manifester, il devait savoir à utiliser ses propres énergies. Et pour nous aujourd'hui, la masse, la foule, les humains, l'homme ordinaire, ces portes sont ouvertes parce que sur la terre va s'installer une école divine où tout le monde aura l'accès, ceux qui veulent évidemment, personne ne nous obligera d'y aller, mais les portes sont ouvertes pour tout le monde, pour apprendre et pour devenir les fils et les filles de Dieu. Alors, en quoi consistaient ces écoles initiatiques? Par exemple, à une époque extrêmement éloignée, où nous, on vivait sur un continent qui s'appelait la Lémurie. À cette époque lémurienne, il y avait aussi des écoles, mais l'homme n'était pas encore si cultivé qu'aujourd'hui. Il n'était pas encore si civilisé. Mais les écoles existaient. Et ces écoles, même les écoles initiatiques, se trouvaient directement dans la nature. Et comme l'homme n'avait pas encore développé le mental, il pouvait seulement ressentir les choses. Il pouvait percevoir les choses, mais pas par sa pensée, parce que sa pensée n'était pas, son mental n'était pas encore développé. Alors, il était dirigé à travers la nature, à travers les écoles qui se trouvaient dans la nature, il était dirigé vers les compétitions. Et à travers les compétitions, ceux qui étaient les meilleurs, ceux qui étaient les gagnants, eh bien, par la suite, on les observait à part, on les dirigeait, on les préparait spécialement, parce qu'ils gagnaient tout. Et jusqu'aujourd'hui, nos jeux sportifs, ce n'est que des restes, même si ça nous paraît qu'aujourd'hui, le sport, c'est quelque chose que nous, on a inventé. En réalité, on n'a rien inventé, parce que toutes les compétitions, tout ce qui se passe dans le sens du développement du corps physique, de l'équilibre physique, etc., ça date de l'époque lémurienne et à travers les compétitions d'aujourd'hui, l'homme développe encore la volonté, les qualités qu'on n'a pas acquises auparavant. Alors, les initiations à l'époque lémurienne se sont passées à travers les compétitions qui étaient situées en pleine nature et c'était un genre d'apprentissage. Il fallait montrer un héroïsme, il fallait montrer une audace, il fallait montrer le courage et les élèves, à travers ces compétitions, surtout ceux qui gagnaient, ils étaient suivis par la suite, il avait les guides, il avait tous ceux qu'il méritait pour qu'il apprenne encore mieux et qu'il soit encore meilleur. Par exemple, il y avait une habitude que ceux qui gagnaient tout, les meilleurs, ils avaient la possibilité de choisir du choix. La première possibilité était offerte à ceux qui étaient les premiers dans toutes les compétitions. Et le mariage, qui avait complètement une autre forme jadis, se passait justement à travers ces compétitions. Parmi les garçons, ceux qui étaient les gagnants, ceux qui gagnaient tout, alors ils étaient placés dans une rangée. Et le premier qui a gagné tout, il était le premier, celui qui était le deuxième, le troisième, ils étaient placés selon les prix qu'ils ont gagnés. Alors, les garçons étaient placés en une rangée, une ligne, et les filles étaient placées en cercle. Et celui qui était le gagnant, il avait le droit d'aller faire le choix, le premier, ça veut dire choisir la meilleure fille. Et il sortait de la ligne, de la rangée où il était, il s'approchait du cercle et il choisissait la fille qui lui plaisait le plus. Il pouvait placer sa main droite sur l'épaule droite de la fille et la fille sortait du cercle et elle se plaçait à quelques pas avant lui. Et là, la fille devait courir
Et si elle aimait le garçon qui l'a choisi, évidemment qu'elle se laissait attraper. Mais si elle ne l'aimait pas, alors elle courait de toutes ses forces pour ne pas se laisser attraper. Et jusqu'aujourd'hui, si nous allons à travers la Terre, par exemple aux Philippines, en Océanie, il y a encore certaines peuplades qui font leur mariage exactement de la même façon. Et imaginez-vous que ça fait déjà des milliers et des milliers d'années que les lémuries n'existent plus, mais les habitudes existent encore sur la Terre. Il y a une autre habitude qu'on trouve là, et ça date aussi du passé, où l'homme participait pleinement à la vie sentimentale de la femme. Alors la femme, jadis, à travers ses initiations, elle devait apprendre à ne pas pousser les cris pendant l'accouchement. Mais pour la soutenir quand même moralement, alors c'est l'homme qui devait crier. Et jusqu'aujourd'hui, à travers ces peuplades qui sont encore sur la terre, nous trouvons les mêmes habitudes où la femme était tellement renforcée, elle a tellement bien appris de se maîtriser qu'elle ne crie pas, mais pour l'encourager, pour l'aider quand même moralement, eh bien c'est l'homme qui crie à côté. Alors vous vous rendez compte que l'apprentissage qu'on avait jadis, il est encore là. Mais il y a d'autres choses que nous ne connaissons pas. Dans les écoles initiatiques à l'époque lémurienne, on apprenait comment faire l'amour. Ce qu'aujourd'hui s'est éparpillé, s'est disparu, on ne sait pas trop, on essaye mais on n'arrive pas. On apprenait avec des guides extrêmement expérimentés et ça allait au rythme de la nature. Les filles étaient menées par exemple auprès de la mer et avec la musique de la mer, avec le rythme des vagues, avec le rythme de l'air, du vent, les filles vivaient ce rythme de la nature. Et comme on sait comment la vie sentimentale de la femme est influencée par la nature, par la lune, par les marées, par les vagues, alors aujourd'hui on s'est éloigné de la mer, on s'est éloigné de la nature et tout ce rythme est perdu. Mais jadis, on apprenait aux jeunes filles comment se lier à ce rythme et comment, à travers ce rythme, profiter des énergies cosmiques, des énergies universelles pour mettre au monde des enfants beaux, des enfants en bonne santé. Et nous nous dirigeons aujourd'hui envers un autre degré. Ça ne sera plus au même niveau, mais ça va être sur un autre degré, plus élevé, plus connaissant, mieux préparé, où les jeunes filles seront renseignées, enseignées, où les jeunes mères vont apprendre comment se préparer d'abord pour la vie intime, comment préparer les conditions dans le corps, comment préparer les conditions extérieurement, et elles vont apprendre qu'est-ce que c'est la conception. Car la conception se produit sans cesse partout dans l'univers, mais c'est perdu complètement de notre conscience. Qu'est-ce que c'est la conception? Et dans les écoles initiatiques, on le savait et les disciples étaient dirigés, préparés pour un travail merveilleux. Qu'est-ce que c'est la conception? Comment ça se fait? Comme on a fait avec Marie qui a mis au monde Jésus. Elle était préparée depuis l'âge de 5 ans dans les temples par les grands initiés. Qu'est-ce que c'est la conception? Et quand la fille apprendra qu'est-ce que c'est la conception, eh bien, c'est la puissance de Saint-Esprit qui se manifestera à travers elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus connaître un homme. Elle connaîtra un homme, mais un homme initié, un homme qui connaît qu'est-ce que c'est la loi de la pénétration. Il y a des lois tellement merveilleuses, mais on les a perdues complètement et on se dirige vers quelque chose complètement autre. Alors, la fille d'abord apprendra, avant d'apprendre tous les rythmes et toutes les choses, elle apprendra certaines lois, pas beaucoup, 2-3, qu'en les connaissant, elle pourra mettre au monde des divinités. Des fils divins naîtront des filles futures qui seront renseignées sur quelques lois,
mais ça s'apprend seulement dans les écoles initiatiques. Ça, c'était à l'époque lémurienne. À l'époque atlantéenne, où l'humanité a vécu dans des conditions aussi magnifiques, où l'humanité n'était pas encore complètement perdue de la nature, complètement déliée de la nature, c'était d'autres choses qui étaient enseignées à travers les écoles initiatiques, c'était d'autres choses qu'on apprenait à travers tout ce que nos guides nous préparaient dans leur laboratoire caché, dans leur laboratoire préparé spécialement pour les humains. Et voilà, à l'époque atlantéenne, eh bien, c'était tout à fait un autre apprentissage. L'homme, de nouveau, apprenait à utiliser les énergies, mais non seulement les siennes, non seulement les énergies qu'on a mentionnées ici et que l'homme apprendra à utiliser, non seulement ces énergies qui sont en nous, mais aussi ces centres que vous voyez au long de la colonne vertébrale. Ces centres se trouvent comme une correspondance dans le système solaire. Et l'homme connaissait cette correspondance. Ici, sur l'image, vous voyez un genre de pyramide. C'est ça? Imaginez la position des mains, la position du corps, la colonne vertébrale tout droite, et vous voyez un triangle qui ressemble à une pyramide. Et l'homme qui connaissait son propre triangle, ça c'est le triangle qui est tourné vers le haut, c'est la pyramide de l'homme. L'homme qui connaissait sa propre pyramide, l'homme qui connaissait ses propres chemins, de ses propres énergies, il a pu bâtir les pyramides qui existent jusqu'à aujourd'hui et qu'aucun tremblement de terre, aucune catastrophe ne peut détruire parce qu'il connaissait la correspondance exacte, il connaissait comment ça marche dans l'univers, comment ça marche en lui, et grâce à cette correspondance, il a pu bâtir des pyramides indestructibles. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre que nous aussi, nous sommes une pyramide indestructible, comme nous allons connaître justement cette correspondance des énergies, parce que si les énergies circulent comme il faut, si nous savons les utiliser comme il faut, nous-mêmes, nous devenons une pyramide indestructible. Imaginez que l'homme a appris, à travers les initiations atlantéennes, à bâtir la pyramide indestructible à l'extérieur, mais lui-même, il n'a pas appris que lui-même aussi, il est une pyramide indestructible. Il s'agit juste de connaître, juste de savoir comment toutes ces merveilles circulent en nous et que voilà, tout va devenir comme il était fait, tout va accomplir son but. Comment ça s'est passé, par exemple, en Égypte? On a passé à travers les pyramides, à travers les initiations atlantéennes, où l'homme a appris justement les correspondances entre ses propres énergies et les correspondances entre les énergies qui circulent dans le système solaire. L'homme a appris à maîtriser l'énergie solaire. Et à l'époque atlantéenne, nous trouvons des temples, des bâtisses où, au sommet du temple, au sommet de la bâtisse, se trouvait un seul cristal et ce cristal captait les énergies solaires et ce cristal pouvait chauffer toute une région. Un seul cristal, parce que l'homme savait comment ça circule, comment ça marche et voilà, il pouvait profiter, bénéficier de toutes ces merveilles que la nature lui offrait. Après, nous avons passé par les initiations en Perse, en Chaldée et ailleurs, mais on va s'arrêter un tout petit peu de quoi s'agissait dans les initiations, par exemple, égyptiennes. Celui qui était choisi comme un disciple, il était observé à partir de sa naissance. Dans la plupart des cas, on s'occupait d'un disciple
dans le monde invisible, il n'était pas au courant. Lui, il ne savait rien, mais il était sans cesse observé parce qu'en lui, il y avait des grandes possibilités et pour donner la possibilité à se réaliser à tout ce potentiel qu'il avait, alors il était observé. Et supposer même qu'il était né dans une famille pauvre, ça ne changeait rien. Un petit enfant, par exemple de 9 ans, de 12 ans, un jeune homme de 18 ans, à un certain moment, il avait une inspiration de quitter sa famille et de se diriger en Égypte. Il pouvait venir de Grèce, il pouvait venir de Perse, il pouvait venir d'Iran, de Libye, de n'importe quel pays, mais cette inspiration intérieure était tellement forte qu'il n'y avait rien au monde qui pouvait l'arrêter. Supposez que c'était un enfant d'une famille pauvre, alors il allait travailler pendant des années et des années pour se ramasser un peu d'argent ou de tout ce qu'il lui fallait pour accomplir ce voyage qu'il gardait en lui comme quelque chose de sacré. C'était une idée tellement forte qu'il vivait pour cette idée de se rendre en Égypte et de trouver une pyramide. Il ne savait pas tout à fait bien pourquoi il le veut, mais c'était une pensée tellement forte qu'à un certain âge, l'âge prévu par ses guides, lui, il ne savait pas comment il sera guidé. Mais si c'était à l'âge de 9 ans, alors à 9 ans, il était devant la pyramide. Si c'était à l'âge de 12 ans, à 12 ans, il était devant la pyramide. Si c'était seulement à 18 ans, eh bien, c'était à 18 ans. Et voilà le jeune homme. Il marchait des journées et des journées dans le sable brûlant, sous le soleil brûlant, pour chercher et pour trouver une pyramide. Et finalement, de loin, il voit cette construction somptueuse qui l'attirait irrésistiblement. Et en se dirigeant vers la pyramide, il arrive et il trouve toutes les portes barrées. Il n'y avait aucun moyen de pénétrer dedans. Mais par son intuition, il savait que pour un disciple, pour celui qui cherche, il y a toujours une porte cachée. Et il faisait le tour de la pyramide à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il trouvait un trou quelque part à travers lequel il glissait dedans. Il ne savait pas qu'est-ce qui l'attend, mais cette puissance qui le poussait était absolument irrésistible et l'obligeait de faire les tours malgré la soif, malgré la faim, jusqu'à ce qu'il trouve la possibilité de pénétrer. Et quand il a trouvé ce trou qui était vraiment camouflé, qui était visible seulement pour celui qui cherchait, il glissait dedans dans la pyramide où il se trouvait dans un contraste absolu avec les jours ensoleillés, avec le sable brûlant. Il se trouvait tout d'un coup sur un terrain un peu humide, dans une obscurité presque totale, où il ne voyait rien, mais par ses épaules et par ses coudes, il sentait que les murs du corridor où il est tombé étaient très rapprochés et que l'espace n'était pas très large pour se diriger. Mais ce désir intérieur le tirait en avant et il se dirigeait. Il oubliait sa soif, il oubliait sa faim et il se dirigeait des longues heures à travers le corridor au sous-sol de la pyramide. Il a perdu complètement la notion du temps et voilà, il continue. Et tout d'un coup, le corridor s'élargit et il entend un bruit. Et il constate que c'est une source souterraine, que c'est une rivière souterraine. Et il est tout émerveillé parce qu'il est assoiffé. Alors il se dirige avec une force encore plus irrésistible vers la source. Et tout d'un coup, le corridor s'élargit encore plus. Et c'est vrai, il se trouve devant une rivière souterraine qui court assez rapidement. Et puis, après des longues journées, il ne sait même plus depuis quand, parce qu'il a perdu la notion du temps, il se lave le visage, il prend quelques gorgées de cette eau, et il ne lui reste rien d'autre que de traverser la rivière à la nage.
Mais il fallait savoir nager. Il ne connaissait pas la profondeur de la rivière. Il fallait absolument tout affronter, tout ce qui va se présenter. Et voilà, il traverse la rivière, s'il était suffisamment courageux, et il continue son chemin. Et s'il était assez intelligent, il savait, si c'était vraiment un disciple préparé, il savait qu'il est observé dans ses moindres gestes, que télépathiquement, les grands maîtres, les initiés qui l'attendaient quelque part, ils l'observaient dans ses moindres gestes. Et il savait qu'il faut être prévoyant, qu'il faut être prudent. Il savait qu'il faut bien prendre ses vêtements, qu'il faut bien tenir ses vêtements bien au-dessus de l'eau et qu'il faut traverser la rivière sans mouiller ses vêtements. Parce que peut-être il y a encore des années de route qui l'attendent, des mois de corridor, il ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait. Et cette prévoyance, cette prudence était observée. Les moindres gestes, les moindres motivations dans la pensée, tout était calculé, marqué, observé. Et voilà, il a traversé la rivière. Il se sèche, il y avait même des façons de se sécher, pas n'importe comment, mais un disciple devait être extrêmement économique dans ses gestes et tout prévoir et tout savoir. Alors il s'habille de nouveau et il continue son chemin. Il continue et l'endroit qui était élargi, ça se rétrécit de nouveau et il entre dans un autre genre de corridor. Et tout d'un coup, il entend des bruits complètement inconnus. Et il prête l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Et c'était des sons, des rugissements des fauves. Alors là, la seule protection, c'était son aura. Il était observé. Comment il sait se protéger? Comment il va affronter n'importe quelle difficulté? Et le vrai disciple savait que dans n'importe quoi, son aura peut le protéger. Même quand il s'agit de traverser les eaux, il savait que par son aura, il peut marcher sur les eaux, si c'est le moment. Alors, il entendait des rugissements des fauves, et c'est vrai, il continue, et tout d'un coup, il y avait comme des éclairs, et ces éclairs, éclairaient des gueules ouvertes, des fauves, mais inimaginables, qui rugissaient en plein visage, Et ce qu'il devait montrer, bien, c'est une audace qui n'a pas de limite, c'est un calme absolu, parce qu'il savait que par le calme qui se manifeste dans son aura, par ce calme, il peut tout dompter. Il peut dompter n'importe quelle fauve. Et c'est seulement beaucoup, beaucoup plus tard, il apprenait que ces fauves, c'était des jeux de lumière. C'était des formations spécialement préparées pour les disciples, qu'il ne s'agissait pas des vrais fauves, mais qu'il s'agissait seulement des épreuves spécialement préparées qui étaient artificielles pour éprouver un disciple. Et voilà, il se dirige, il a traversé auprès des fauves, disant que c'était un courageux, tout était bien fait. Et après encore un autre long corridor, il s'approche finalement et il se trouve devant une porte. Mais la porte d'une lourdeur et d'une épaisseur que même s'il essaye de frapper, il est certain que personne ne l'entendra parce que la porte est extrêmement épaisse et elle est fermée, barrée peut-être à 7 clés. Et il n'essaye même pas de frapper. Il s'assoit devant la porte. Après des jours et des jours et des heures de marche, il s'assoit devant la porte et il se met à méditer. Et dans cette méditation profonde, il sentait de nouveau qu'il était observé, qu'il était regardé par les maîtres, parce que dans sa méditation, il devait se mettre au diapason, il devait se mettre au même degré, au même taux vibratoire que ses maîtres.
Ça veut dire qu'il fallait qu'il monte sur sa propre pyramide, dans sa propre pyramide, sur sa propre montagne, à un degré de conscience très élevé où il pouvait communiquer avec ses maîtres. Même s'il n'arrivait pas, ça ne fait rien, il fallait qu'il soit conscient qu'il est observé. Et il pouvait rester 3 jours et 3 nuits devant cette porte, encore sans nourriture, encore sans une gorgée d'eau, parce que ce désir d'initiation était tellement fort qu'il n'y avait rien au monde qui pouvait le déranger. Il était prêt à rencontrer la mort, mais se rendre au bout. Et voilà, il restait tout tranquille, rien ne devait le déranger. Et dans tout cet état intérieur extrêmement profond, dans tout ce silence qu'il a installé en lui, tout d'un coup, cette porte lourde, épaisse, elle s'ouvre, mais avec un fracas inimaginable qui était un contraste absolu avec son état dans lequel il était, mais ça ne devait pas le déranger. Ni ce fracas, ni que la porte s'ouvre. Alors, la porte s'ouvre, il se lève et il y a un sage ou un être habillé très simplement qui lui montre par un geste d'entrer. Et il entre dans une pièce qui était une pièce un peu mieux éclairée que le corridor, une pièce encore assez obscure. Les seuls murs, il était juste les murs, et au milieu de la pièce ou quelque part dans un coin, il y avait une table basse d'une roche épaisse. Et il devait s'asseoir à terre auprès de cette petite table basse et il continuait à méditer. Et c'est là qu'après des jours et des jours, il recevait un premier repas très simple, composé de céréales ou de quelque chose de très simple, où il devait prendre une attitude sacrée, où il devait montrer qu'il sait manger. Et nous, aujourd'hui, la cinquième race, nous les civilisés, nous allons apprendre bientôt que nous ne savons pas manger. Nous n'avons aucune idée comment il faut manger pour nourrir vraiment le corps, pour nourrir les cellules. Parce que même si nous mangeons 3 fois par jour, nous nous nourrissons à peine, nous ne savons pas introduire les énergies vivantes dans notre corps. Tandis qu'il y a des sages qui se nourrissent d'une poignée de blé 2 fois par semaine et ils accomplissent des miracles pour l'humanité entière. Mais comment se fait-il que nous, on a une nourriture et un choix inimaginable et on ne se nourrit pas convenablement, tandis que quelques petites nourritures et ils font des miracles. Alors c'est l'attitude qui change énormément parce que par cette attitude sacrée que les disciples devaient avoir envers la nourriture, ils retiraient des éléments sacrés et puis on nous a dit que c'est la chair du Christ. La nourriture c'est la chair du Christ. Alors ils devaient montrer qu'ils savaient communier avec la chair du Christ. Et dans cette attitude vraiment sacrée, il prenait son premier repas et il était observé, il le savait. Il était son état de pensée, ses sentiments, son attitude, ses gestes. Tout était pesé, calculé, mesuré et il était observé. Et il restait quelque temps dans cette pièce où son corps était rassasié de nouveau, où il recevait tout simplement de l'eau fraîche par la suite. Et quand il s'est habitué à cette nouvelle ambiance, quand il s'est reposé, il était amené dans une autre salle. Il était amené devant une autre porte, mais c'était une porte complètement différente de la porte précédente. Cette porte était extrêmement belle, très fine, très mince. Il avait l'impression que la porte est presque transparente. Et elle s'ouvrait silencieusement. C'était des portes glissantes. Voilà, la porte s'ouvrait et il était encore par un geste invité d'entrer dans une pièce suivante. Et là,
pour un disciple désireux à connaître, il entrait presque dans un paradis. Il entrait dans la salle de la connaissance. Et dans cette salle de la connaissance, il y avait des merveilles et des merveilles à apprendre. Il y avait des papyrus roulés les plus anciens, Il y avait des livres épais d'une épaisseur considérable. Il y avait des dessins sur les murs. Il y avait des appareils. Il y avait de tout qui lui permettait d'approfondir les connaissances. Et dans cette salle de la connaissance, qui était un genre de bibliothèque multiple, parce qu'il y avait vraiment de tout, alors il était de nouveau observé. On observait, est-ce qu'il se dirige vers l'essentiel ou est-ce qu'il se dirige vers quelque chose qui est secondaire? Est-ce qu'il prend ce qui lui sera le plus profitable ou est-ce qu'il prend n'importe quoi, n'importe comment, sans savoir choisir? Tout, chaque geste était observé, comment il le fait et comment il va apprendre, parce que c'était toute une offre d'apprendre dans cette salle de la connaissance. Et quand il a bien réussi, quand il a fini dans cette salle de la connaissance, il était de nouveau amené plus loin. Alors la connaissance, c'est quand même assez aride, c'est quand même assez... ça exige beaucoup, ça demande beaucoup, alors beaucoup d'efforts, etc. Et après cette salle de la connaissance, il ne traverse même plus une porte. Au lieu de la porte, c'était un voile léger, extrêmement léger, d'une beauté. Et on lui ouvre ce voile et il est invité d'entrer. Il ne croyait pas à ses yeux devant ceux qui se présentaient à son regard. Il entrait dans un genre d'oasis, un paradis souterrain où il y avait des arbres et des arbustes avec des fruits succulents, où il y avait des petites sources, des petits courants, des petits torrents d'eau, tout était vivant. Mais ce n'était pas tout. C'est dans ce jardin superbe, dans cette oasis souterrain, à travers tous ces arbustes, tous ces arbres et toute cette décoration superbe, il y avait des danseuses presque nues, voilées très très légèrement, qui étaient là avec les plats les plus succulents pour lui offrir des fruits, pour lui offrir des desserts et des choses qu'il n'a jamais vues, qu'il n'a jamais goûtées. Et c'est dans cette salle, c'est pas dans la salle des connaissances, c'est pas dans la salle à manger où il prenait ses repas, qu'il fallait montrer sa plus grande sagesse. C'était dans cette oasis qui ressemblait déjà à un paradis qu'il fallait se mesurer avec ses propres forces, parce que supposer que c'était un jeune homme de 18 ans. Et qu'il a traversé toutes ces épreuves auparavant, pendant des mois et des mois, ça a pris peut-être 3 ans, parce que nous on raconte vite, mais lui il fallait traverser tout ça. Et supposer que dans la salle de connaissance, il a resté presque 3 ans. Alors il est rendu un jeune homme de 21 ans, et que voilà, il se trouve tout d'un coup, avec toute sa puissance sexuelle qu'il fallait maîtriser, il se trouve devant toutes ces belles filles, qui n'était pas là toujours pour le séduire, c'était là juste pour l'éprouver et pour montrer à ses maîtres comment il sait maîtriser sa force créatrice. Est-ce qu'il sait l'amener jusqu'à la glande pinéale ou comment il va faire? Alors c'est dans cette salle, dans ce paradis, dans cette oasis qu'il restait après des mois et des mois, et c'est là qu'il devait donner des preuves des vraies. Il devait montrer comment il sait utiliser sa force créatrice. Et les jeunes filles étaient spécialement préparées pour le tenter jusqu'au maximum. Et par les repas, et par les gestes, et par la danse, et par les chants, il y avait tous les moyens et toutes les tentations possibles, les plus belles, pour éprouver le jeune homme. Et quand il a réussi à travers cette oasis,
quand il n'y avait rien plus qui le dérangeait, et il savait comment utiliser cette force, et il utilisait même les jeunes filles comme une source d'inspiration. Alors dans ce cas, il y avait un sage habillé spécialement qui l'invitait dans une salle spéciale. Le séjour au paradis était terminé, le séjour à cette oasis était terminé et il était appelé devant un jury. Et ce jury était dans la plupart des cas composé de 7 vieillards ou de 12 vieillards et il se présentait devant eux. Et d'abord, il fallait faire une petite concentration, une petite méditation. C'est comme pour s'accorder avec tous ces sages qui étaient devant lui. Et quand ils ont fait leur concentration, leur méditation, ils offraient à ce jeune homme un calice. Ils lui donnaient un beau calice dans ses mains. Et il fallait qu'il le boive. Il fallait boire le calice, le contenu. Et dans le calice se trouvaient deux genres de boissons. Vous savez comment l'huile, par exemple, reste à la surface dans un contenant. Alors dans ce calice aussi, il y avait une boisson qui le remplissait à moitié. C'était une boisson succulente, mielleuse, tellement agréable à boire qu'il n'a jamais bu quelque chose de si bon. Alors la moitié du calice était remplie par cette boisson très très agréable, mais l'autre moitié, c'était quelque chose de tellement différent, de tellement amer, de tellement désagréable et dégoûtant qu'il n'a jamais bu quelque chose de pareil. Mais il était observé par tous les sages. Il fallait qu'ils le boivent, les deux, sans que ses muscles bougent, sans qu'ils donnent une impression que quelque chose a changé dans son calice. C'était la maîtrise qui comptait, parce que c'était symbolique. La même chose se passe dans la vie. Pendant une journée, quelquefois, nous buvons au début quelque chose de très bon, de très agréable, mais l'autre moitié, on a la difficulté d'avaler. Alors, tout ce qui se passait, c'était symbolique. Mais à travers ces symboles, il fallait montrer qu'il est un héros, qui est préparé et qui est tout prêt à tout. Et surtout, cette maîtrise, elle comptait énormément. Alors, il recevait ce calice avec un grand honneur, parce que c'était quelque chose d'arriver jusqu'au calice. Il n'y avait pas grand monde qui arrivait jusqu'au calice et qui se présentait devant les sages. Et alors, quand il l'a bu, quand il a bu cette partie qui était mielleuse et agréable, et quand il a fini par cette partie amère, au fond de calice, il y avait le miroir. Le fond de calice était doublé de miroir. Et selon le degré de l'initiation, ça signifiait que le disciple avait l'accès à la connaissance. Parce que le miroir symbolise la conscience. Alors, le disciple pouvait se voir et en voyant quoi que ce soit, il pouvait comprendre immédiatement le symbolisme et le sens des choses. Alors, quand il recevait ce calice avec le miroir, ça symbolisait qu'il était prêt pour recevoir la connaissance. Et voilà, il a tout bu, il a gardé le calice, et de ce jury, de ces sages, il recevait une tâche. Imaginez qu'on lui donnait une tâche pendant 3 ans, faire un voyage quelque part dans les Himalayas, aux Indes ou dans n'importe quelle partie du monde, d'aller trouver un tel et un tel temple souterrain. On ne lui donnait pas des indications exactes, on lui donnait à peu près.
pour qu'il se débrouille après, parce que si on lui indique tout, ben, ça serait trop facile de s'y rendre. Alors, on lui donnait de trouver un temple souterrain, dans le temple, dans la cave du temple, de trouver des rouleaux, des écrits, des tablettes, des anciens textes, de trouver ces tablettes, de les traduire, de décrire au complet leur signification, de dévoiler et de déchiffrer le sens de ces écrits, et puis de ramener tout ça de nouveau dans la pyramide. Et voilà, le jeune homme partait. Ce n'était plus par le même chemin qu'il s'est rendu devant les sages, mais il partait tout à fait par une autre porte. Et sa première initiation, c'était la tâche vraiment initiatique, commençait. Et il avait 3 ans pour tout trouver, pour tout faire, pour tout apporter de nouveau à ses maîtres. Et s'il accomplissait bien sa tâche, il pouvait se préparer pour un autre degré d'initiation. Ça, c'était encore une tâche terrestre. C'était une tâche à accomplir comme ça, sur la terre, aller creuser, trouver, et puis c'était très simple. Mais s'il réussissait dans ce premier degré, après, il passait par ce qui était appelé la petite mort. Il revenait de son voyage et il était de nouveau observé pendant bien, bien des mois. Et à un certain moment, quand il était prêt, quand il possédait la connaissance du corps humain, quand il connaissait comment ça fonctionne, la pensée, les sentiments, le corps éthérique, le corps physique, quand il avait toutes ces notions, quand il avait quelques notions sur l'univers, il était mis dans une pièce spéciale, complètement nue, où il devait jeûner 3 jours. Sans aucune nourriture, il recevait seulement l'eau. Et après 3 jours de jeûne, il était toujours observé, il était toujours guidé par 1 mètre, par 2 mètres ou par 3 mètres. Il était placé dans un sarcophage. Après 3 jours de jeûne, 48 heures, il était placé dans un sarcophage, toujours ouvert, qu'on ne fermait pas. Et dans ce sarcophage, il était amené dans un état, c'est pas tout à fait le sommeil, mais à un état presque un demi-sommeil. Et pendant ce demi-sommeil, on faisait les guides, faisaient sortir de lui son corps astral, sa conscience. Ils prenaient sa conscience avec eux et ils l'amenaient partout dans l'univers. Et son corps physique restait à moitié mort, à moitié sans vie. C'est pour ça que ça s'appelait la petite mort. Et il l'amenait sur d'autres planètes. Il pouvait l'amener sur le soleil. Il pouvait l'amener dans les bibliothèques les plus grandes de l'univers. Et il l'amenait surtout là où ça s'appelle la mémoire de la nature ou les archives akashiques. Mais pour entrer dans les archives akashiques, il fallait de nouveau passer par une initiation. Et cette initiation, c'est juste un petit passage, qui s'appelle la rencontre avec le gardien du seuil. La rencontre avec le gardien du seuil, c'est une rencontre avec un monstre. Il fallait rencontrer un monstre, un dragon, disons, qui garde tous les secrets, parce que même dans nos histoires sur la Terre, le monstre, il possède toujours des secrets. Un dragon, il est toujours le gardien des secrets. Il y a le dragon qui garde les trésors souterrains, il y a les dragons qui gardent les secrets dans l'eau, il y a les dragons ailés. Chez les Chinois, par exemple, chez les Japonais, les dragons ailés qui gardent les trésors qui se trouvent dans l'air. Et puis, il y a les dragons qui crachent du feu, les dragons qui s'occupent seulement du feu. Alors, les disciples, pour entrer dans ces archives et pour pouvoir fouiller partout, et pour pouvoir voir tout ce que les humains ont accompli dans le passé. Comme les humains dans le passé ont accompli des choses monstrueuses,
pour que ça ne lui fasse plus peur, il fallait rencontrer ce gardien, ce dragon ou ce monstre qui était le pire de tout. Mais c'est seulement pour le préparer, c'est pas pour lui faire peur. C'est juste pour l'éprouver, pour qu'il ne soit pas surpris s'il se met à étudier quelque chose qui date de très longtemps et qui n'était pas toujours beau. Alors, il a passé, toujours avec ses guides, auprès de ce gardien du seuil, et il se rendait dans cette bibliothèque qui possède des films de toute l'histoire de l'humanité, de toute l'histoire de l'univers, où il pouvait fouiller, apprendre, il n'y avait plus de limites. Il pouvait tout voir, tout, absolument tout. Et quand il était amené dans ses archives, bon, là, ils ont pu rester encore un certain temps, et par la suite, on ramenait la conscience, le corps astral, le corps mental du disciple, on le ramenait dans son corps, et très doucement, très avec beaucoup de connaissances, ses maîtres introduisaient de nouveau son corps astral dans son corps physique. Et là, il se levait de son sarcophage et la petite mort était terminée. Il avait l'accès aux archives cosmiques, il avait l'accès à l'histoire de l'humanité, il avait l'accès à aller partout, sur n'importe quelle planète, sur n'importe quel soleil, apprendre tout. Quelquefois, il n'allait pas dans d'autres systèmes solaires, il restait dans un seul système solaire, mais quand même il avait un champ d'action extrêmement grand et extrêmement large. Et voilà la deuxième initiation passée de cette façon. Il sortait de la pyramide avec une tâche mondiale. Il recevait une tâche envers l'humanité entière. Il devenait un guide des humains. Il devenait quelqu'un qui transmettait des connaissances, qui pouvait fonder des écoles. Et par exemple, Pythagore, par exemple, Platon, Socrate et beaucoup d'autres philosophes, Moïse par exemple, ils ont passé, Orphée, ils ont passé par ces initiations égyptiennes. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils donnaient? Ben, ils offraient leur connaissance à l'humanité entière. Ils fondaient des écoles initiatiques ou des écoles philosophiques par où des centaines et des milliers de disciples étaient préparés pour une façon de vivre, pour une façon de comprendre l'univers entier. Alors, tous ces disciples qui ont passé par ces initiations sont devenus des instructeurs de l'humanité. Et c'était par la suite les guides de l'humanité qui pouvaient s'aimer l'amour partout, qui pouvaient s'aimer la lumière partout et qui pouvaient amener l'humanité toujours au degré supérieur de sa conscience et qui réveillaient l'humanité vers la lumière, vers l'amour, vers le travail, vers l'acquisition des vertus, des qualités, etc. Et jadis, ces portes d'initiation étaient ouvertes comme ça seulement pour les disciples spécialement choisis, parce que tout le monde n'était pas prêt à y passer. Supposez qu'on vous offre aujourd'hui d'aller en Afrique pour devenir un missionnaire et d'abandonner immédiatement tout ce que vous possédez, et vos maisons, et vos voitures, et vos télévisions, et vos enfants, tout immédiatement abandonné. Bien, il n'y aura pas beaucoup de candidats qui seront prêts d'y aller. Il y aura peut-être quelques-uns qui vont s'exclamer « Oh oui, moi je suis prêt tout de suite !» Mais si ça arrive, bien, ça ne serait pas si simple. Alors, ces disciples étaient préparés spécialement, à partir de leur naissance, pour accomplir des tâches mondiales. La petite tâche qu'ils recevaient, aller trouver des manuscrits, de faire les traductions, de transmettre certains secrets quelque part, c'était des tâches très mineures. Mais par la suite venait le vrai travail. Imaginez Moïse
qui a passé par des initiations égyptiennes, il a passé 40 ans en Égypte. Et qu'est-ce qu'il est devenu après? Ben, le guide d'un peuple, le guide d'une partie de l'histoire. Et il est entré dans l'histoire. Imaginez Orphée, ceux qui connaissent l'histoire d'Orphée, qui était un guide aveugle et qui instruisait l'humanité par la musique. Il a traversé par toutes ces merveilles et il s'est donné lui-même à l'humanité entière. Alors c'était ça les disciples du passé auxquels les portes étaient ouvertes et il était vraiment décidé de franchir ces portes. Et la prochaine fois, nous parlerons comment les initiations se passent aujourd'hui. Ça, c'est le passé. Il est merveilleux. Il est tellement poétique que nous n'avons même aucune idée comment notre passé est riche. Mais le présent est riche encore plus. Seulement, nous ne sommes pas conscients. Et nous parlerons comment les initiations se passent aujourd'hui. Et nous serons étonnés que nous sommes entourés des merveilles. Et qu'est-ce qu'il nous est offert? Et comment tout se passe aujourd'hui? Seulement, nous restons aveugles, nous ne voyons pas et nous ne savons pas que toutes ces merveilles sont devant nos yeux et que nous sommes devant les portes les grandement ouvertes, les portes d'une école divine. Alors, c'était ça pour aujourd'hui sur les initiations dans le passé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.